Maxime Vallée, escrime handisport au Toulouse Université Club et Stade Toulousain Escrime. J'ai débuté l'escrime debout, l'escrime valide, ce que j'ai fait pendant une quinzaine d'années. Et suite à un accident, j'ai basculé sur l'escrime handisport, où j'ai intégré l'équipe de France en 2011 pour les championnats d'Europe. Je me suis qualifié pour les Jeux de Rio en 2016, où j'ai obtenu deux médailles de bronze, une en individuel et une par équipe. Et entre-temps, j'ai été deux fois champion d'Europe, une fois champion du monde. On prépare avec l'équipe de France, donc les Jeux de Paris, parce qu'avec une équipe un petit peu rajeunie qui sera prête dans 3 ans et j'espère bien en faire partie. Ce qui me fait le plus vibrer dans la préparation, c'est toutes les compétitions en fait qui s'échelonnent pendant les 4 ans entre les Jeux. Parce que c'est là qu'on a toute l'adrénaline, toute l'émotion en fait, qui ressort. Et tout le travail fait au quotidien, c'est là où on espère que ça paye, en tout cas. Mais on voit aussi si on est sur la bonne voie ou pas par rapport aux autres. Et c'est vrai que voilà, c'est un moment très intéressant. Alors moi, la BPOC me soutient depuis le début, en fait, depuis mes débuts en équipe de France en 2011 et me permet d'avoir du matériel performant, le plus performant possible pour être moi aussi le plus performant. Et ça me permet aussi de participer à toutes ces compétitions internationales et aux stages qui permettent de me préparer au mieux pour les grandes échéances.